Je sais pas si ça va nous détendre, mais... It is in French. It is very good. Alors... Je vais remettre le stream sur ma tablette. Ça, si jamais il y a des gens qui parlent, au moins je pourrais le voir. Pointer la caméra ou à personne. Cursive Italie. La musique est très sympa en tout cas, ça détend. Après moi en tout cas ça me détend. Après faut apprécier, mais... Cacardé. Ah. Ça commence bien. Alors j'avoue, j'ai vu pas mal de... Enfin, voilà, c'est un jeu dont on parle beaucoup ces derniers temps. C'est très spécial au niveau du maniement. Okay. C'est assez marrant. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Pas impression. On va courir, se pencher et cacarder. Une chaussure. Une chaussure mouillée. Enfin, une botte plutôt. Une botte mouillée. Penchez-vous pour ramasser les objets au sol. Ok. Est-ce qu'on peut mettre la canette dans la botte? C'est pas sûr ça. C'est pas sûr. La canette in the bot. Non. Ça doit être trop dur. Oh, c'est énorme. Il y a vraiment le bruit qui change. On entend que notre roi a quelque chose dans la bouche. C'est bien fait, là. Là, franchement, c'est bien fait. On peut se cacher? Bon, pas complètement, mais on peut se cacher un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Une balle. On peut mettre la balle en haut. Une balle de tennis peut-être. Bon. Ah d'accord, il va falloir choper les trucs. Mais comment on fait pour choper celui-là? Ah d'accord, je l'avais déjà... Oula. C'est dangereux par ici. Hein. House. Putain, les mecs, quand même, ils ont eu du culot. Hein. Pour se dire, allez, on va faire un jeu. On va contrôler une oie. Tout le monde sera content. Il faut avoir du culot, franchement. Et du courage. Du courage, parce que bon... Un jeu, c'est pas gratuit, même un jeu comme ça, donc... Je sais pas si on peut parler de succès ou quoi. J'ai pas du tout regardé si le jeu a eu de l'argent ou des trucs comme ça. Mais bon, vu qu'il est sur le Game Pass, de toute façon, j'imagine qu'ils ont dû recevoir de l'argent de Microsoft directement. Donc bon, peut-être qu'ils ont déjà rempli un petit peu leurs objectifs. Bon, par contre, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Pour l'instant, il n'y a pas de tuto, il a disparu, donc... Ah.
Ah bah voilà. Entrer dans le jardin, faire en sorte que le jardinier se mouille. Oh, c'est énorme. Ça rappelle l'écriture à l'école. Faire en sorte que le jardinier porte son chapeau de soleil. Râteau dans le lac, faire un pique-nique. Apporter sur un nappe de pique-nique, sandwich, pommes, citrouilles, carottes, confiture, thermos, radio, panier. Entrer dans le jardin. Faire en sorte que le jardinier se moule. Se mouille. On est dans le jardin là ou pas? Peut-être pas. Jardinier. Ah. Ok, donc le jardinier doit être là, non? Il va chercher. Je sais pas trop quoi. Mais il va chercher quelque chose apparemment. Vous pouvez tourner rapidement en relâchant. En relâchant A. Voilà. En relâchant A. Ah d'accord. D'accord, c'est quand on court en fait, on a du mal à tourner. Il a piqué. C'est assez mignon, ouais. Attendez, c'était où déjà le... Il n'y avait pas une nappe. Je sais plus où elle est. Il y avait une nappe, mais... Elle était là? C'était pas là? Elle était où la nappe? Je suis sûr d'avoir vu une nappe. Peut-être qu'elle est plus bas en fait. Ah, elle est là. Elle est là. Je sais pas si la clé il fallait la mettre. Non. Non. Je pense pas qu'on en ait besoin. Les carottes. Entrez dans le jardin. Ça c'est fait aussi. Ça fait penser dans le genre de jeu à Human Fall Flat. C'est des jeux un petit peu atypiques. Très atypiques même. J'aimerais bien en fait le mouiller, mais... Ah, on a réussi. On a réussi, du coup, faire en sorte râteau dans le lac et faire un pique-nique. Ok, donc le chapeau du monsieur. Déjà, il faut trouver le chapeau. Ah, c'est ça qu'il cherchait tout à l'heure. Merde. Et on va pas le cacher parce que sinon, si on en a besoin nous-mêmes, on va plus savoir où il est. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est marrant.
Ça va être chaud quand même de se barrer avec le râteau, parce que... Allez, monsieur le râteau, tu vas aller à l'eau. Se prendre un râteau. Le râteau dans le lac. Hop. Et donc, il nous reste... Ah oui, le chapeau de soleil. Apporté sur un nappe de pique-nique. Sandwich, pommes, citrouilles, carottes, confiture, thermos. Le panier. Et puis, il y a beaucoup de choses. Alors, attendez. Pommes. Pomme. Pomme, 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 pomme. Pomme. Sandwich. Je sais pas s'il faut porter deux sandwichs. Ou un sandwich. Essayer avec les deux. Sait-on jamais? En général, un sandwich, ça va par deux. Ah! Allez hop, le panier. Elle est mignonne quand même, hein, Madame Loa. Très mignonne. Bon, du coup, après, citrouille, carotte, confiture, thermos, radio. Citrouille, carotte, confiture, thermos, radio. Bon, la radio, je l'ai vue. Elle était là. Elle était pas là. La radio, la radio. Il n'y a plus de radio. Putain, il a dû prendre la radio. Je suis persuadé qu'elle était là, la radio. On va prendre une carotte déjà. On va les carottes. Carotte. Citrouille. Donc citrouille, c'est le truc. Par contre, les trois derniers là. Carotte, bah oui, il manque une carotte. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je donne ma vote. Hein. Non! Lâche-moi la citrouille! Ouais, la radio et tout, putain, j'ai aucune idée d'où elle est. Elle est peut-être derrière. Elle est peut-être passée derrière le mur, j'ai l'impression. Une grosse citrouille, ça. Ouais, la radio, on aurait dû la choper tout à l'heure, merde. On a fait les cons, là. On a fait les cons. Est-ce qu'elle est là? La belle oie. Je fais la belle oie. Oh, il y a un trou. Attendez. On aurait pu passer par là, peut-être. Bon, c'est pas facile, hein, au niveau du maniement. Et hop. Hop. Voilà. Donc on peut passer par là. D'accord, d'accord, d'accord. On peut passer par là, mais ça ne nous dit pas où est la confiture. Ah, d'accord, confiture. Ah, la radio, elle est là. Ok, c'est bon, les trois objets sont là, c'est parfait. Une oie qui fait un pique-nique quand même. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Où il est passé, lui? Il a disparu. Non, pas toi. Merde.
La botte. C'est marrant. Ah putain, il va reprendre la radio. Merde, la radio. C'est peut-être le dernier truc. Ah, on aurait dû faire ça en dernier. On aurait dû faire ça en dernier. Il va tout nous piquer. Il est où? Oh, il a piqué la radio, ouais. Ah non, il a pas piqué la radio. C'est salaud une oie quand même. Bon, c'est bon. Je crois qu'on a tout. Tout. Faire un pique-nique. Ah merde, le chapeau! Le chapeau à porter sur la nappe de pique-nique, ça on l'a vu. Ah oui, le chapeau. Comment on va faire pour le chapeau? Le chapeau. Le marteau. Mais le chapeau de soleil. Il y a un chapeau par là? Ça, c'est un chapeau? Porte son chapeau de soleil, parce que ça. Est-ce qu'il a déjà son chapeau? Parce que j'ai l'impression que c'est pas ses cheveux, il a un chapeau, mais. Ouais, c'est ça, il y a un chapeau. J'avoue que là, le chapeau de soleil. Je sais pas comment on fait, ouais. Un chapeau. Un chapeau. Est-ce qu'il y a un autre chapeau ca caché quelque part? Il faudrait lui amener pour qu'il le mette. Mmh.
je pense qu'on va être bloqué, non? Il y a une botte. Ah, non, on n'est pas bloqué. Il y a de l'eau. Et une tétine. Enfin, j'ai l'impression que c'est une tétine. Ouais, là, non. Je vois pas trop à quoi ça peut nous servir. Bon, on va quand même mettre la botte ici. On va la laisser ici parce que bon, on sait jamais. Si après on en a besoin, on n'est pas l'air con quand même. À devoir chercher une botte qui a disparu, je ne sais où. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Non. Ouais, là, j'avoue, je sais pas. Je t'aide. C'est peut-être par ici, non? Ah, c'est peut-être par ici. Y a de l'eau. Une voiture. Son chapeau de soleil. Un chapeau ici. Y a des lunettes, parapluie. Pas de chapeau, hein. Je vois. Ah, d'accord. Ah, d'accord. On peut faire ça aussi. Ouais, on peut faire ça, mais du coup, l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on l'a, on l'a toujours pas eu le chapeau, quoi. Le chapeau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai rien fait. Enfin, je n'ai pas encore fait quelque chose, c'est ça surtout. Ballon de foot. Ouais. C'est marrant ça. Chaque fois qu'on cacarde, il y a la musique qui se met en marche. C'est assez marrant. Bon. Bah, le chapeau. Mettre les mauvaises lunettes. Passer à la télé, faire des courses. Mettre dans le panier brosse à dents, casser le balai, ok. Non mais là j'avoue ouais pour le chapeau je sais pas hein, le chapeau 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 on va donner notre langue au chapeau parce que là j'avoue que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte
qui mette son chapeau, mais j'ai envie de dire, elle a déjà son chapeau, quoi, donc. Un chapeau. Il est où d'ailleurs? Mais où il est? Ah, il est là. Oh, le con. Mais même l'amener par ici, par exemple, est-ce qu'il y aurait un truc qui l'obligerait à mettre son chapeau ici? Oh, il y avait un vélo ici. Ben oui, il y avait un vélo, oui, effectivement. C'est juste que j'avais pas vu qu'on pouvait faire la sonner la sonnette. C'est pas très grave. Avançons. Peut-être ça. Bah non, je vois pas trop le rapport avec le chapeau. Peut-être ça. S'il passe à la tondeuse, il utilisera son chapeau. Non. On va regarder sur le net. Parce que bon, je veux en avoir le cœur net. Je veux savoir si c'est possible de le faire maintenant. Ou s'il y a des trucs qu'on ne peut pas faire et on est obligé au final d'attendre. Bah, d'attendre par exemple plus tard dans le jeu. Alors. Untitled. Jardinier chapeau. Je suis pas le seul. Putain, le jeu est sorti plus en avance que je pensais en fait. Donc là, j'ai une solution qui date de septembre 2019. Je pensais qu'il était plus récent. D'accord. D'accord, on peut le faire. D'accord. Putain. D'accord. J'avais pas pensé à ça. D'accord. Ah! Bah, c'est ça, c'est justement ça en fait. Il faut enlever son chapeau. Oh, c'est bizarre, je m'entends quand je fais ça. C'est marrant. Mais bon, on s'en fout. Voilà. On va prendre la radio. Il a tout remis, n'empêche. Comment on fait pour prendre la radio? Voilà.
Il y a un truc par terre là. C'est une autre carotte. D'accord. Par contre, j'ai compris, mais au niveau des mécaniques, c'est chaud, hein. J'ai du mal avec les commandes. J'ai un petit peu de mal, ouais. Parce qu'en fait, il faut qu'il se baisse. Et ensuite, on pourra piquer son chapeau. Donc bon. Moi, je veux bien, hein, mais... C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Pas facile du tout. Là, j'arrive pas à viser le chapeau, en fait. J'arrive pas à viser le chapeau. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Ça me semble bizarre. Apparemment, la tulipe, c'est le meilleur moyen. Mais non! Qui va la replanter direct. Ah voilà. Merde. C'est pas facile, hein.
Barrons-nous. Putain, il va quand même le chercher son chapeau. Ça marche pas. Il faut le mettre plus loin encore, d'accord. Je ne le savais pas. Bon, ben on va recommencer, hein. C'est très fastidieux quand même. Très très fastidieux. On va le ramener au tout début du jeu. Non, c'était peut-être pas là. Où est le début du jeu? Where is the beginning of the game? Oula. C'était pas là non plus, non? Chapeau l'artiste. D'accord, donc voilà. Je sais maintenant qu'on peut faire toutes les tâches sans avoir à attendre d'autres la fin du jeu ou des trucs comme ça. Du coup, la porte elle est ouverte là ou pas? Je sais pas trop ce que c'est que cette porte. On aurait pu prendre le raccourci. Oh, il est mignon avec son chapeau de soleil. Du coup, voilà. Casser le balai. Casser le balai. Ouah. C'est gratouille. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Enfermer le garçon dans la cabine téléphonique. Faire en sorte que le garçon mette les mauvaises lunettes. Passer la télé. Alors le garçon, mauvaises lunettes. Merde. Ça, c'est un petit peu sadique quand même, j'avoue. J'avoue. Ce qui va avoir mis les autres lunettes.
On va lui apporter. Parce qu'on est gentils, nous. Attendez, c'est peut-être mieux avec d'autres lunettes encore. Genre avec les lunettes de soleil, il serait super classe, quoi. Waouh, trop classe. Ah non, franchement, il est super classe. Alors, l'enfermer dans la cabine téléphonique. C'est très très bien, mais comment ouvrir la cabine déjà? Ouais, la cabine téléphonique, ça j'avoue que je sais pas. Casser le balai, casser le balai, casser le balai. C'est quoi le balai? C'est ça le balai? Non? Non. Le balai. Ah, c'est ça. Il faut casser le balai. Pas caché, hein, c'est bien cassé, donc. Voilà. On a cassé le balai. C'était pas si difficile que ça. Passer à la télé. Quelqu'un qui veut faire de nous une star. Nouveau Lionel Messi. Mais il est passé où le gosse? Le gosse. Oh, je suis en vrai, non. Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Faire en sorte que quelqu'un rachète ses propres affaires et faire des courses. Alors, faire en sorte que quelqu'un rachète ses propres affaires.
Mettre dans le panier brosse à dents, les toilettes, les herbes, fruits et légumes. Est-ce que le panier, c'est ça? Oula. Ah. Ah. J'ai eu peur. J'ai cru qu'on était fait comme des rats. Ça? Ça rentre pas trop dedans quand même. Mais c'est ça. Ça rentre pas trop dedans, mais c'est bien ça. C'est assez étrange. Ouais. Du coup, c'est pas la pomme qu'il nous faut, c'est pas la pomme. La brosse à dents, c'est pas la pomme. Voilà, la brosse à dents. N'oubliez pas votre brosse à dents, Adam. Ah, il faut le papier toilette. Papier toilette. On l'avait pris tout à l'heure, le papier toilette. Oh, j'entends des bruits. Ça doit être la radio. La radio du jeu. Tan, 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 tan. Il nous reste conserve, brosse à cheveux. Brosse à cheveux et conserve. Conserve. Brosse à cheveux. Et on se barre avec la boîte de conserve. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est marrant. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et du coup, où est la brosse à cheveux? Une brosse à cheveux, ça? Une brosse à cheveux, ça? Je pense pas. Ce qu'il y a là, hein? C'est les lunettes. Ouais, mais ça, c'est les lunettes. C'est les lunettes du gamin, je crois pas. Hein. Parce que les lunettes du gamin, on les avait mises de l'autre côté. Est-ce que par exemple, on peut donner les lunettes du gamin à la femme? Piquer les lunettes qu'a le gamin maintenant pour qu'il aille acheter une paire de lunettes et ça sera ses lunettes à lui. C'est complexe quand même. C'est complexe, mais à part lui, je vois pas d'autres personnes qui peuvent acheter des trucs. Donc. Je pense que ça doit être une des seules solutions, à mon avis. Possible. Bon, on va essayer ça.
Le balai, le balai. Du balai. Et donc du coup... Ah, la brosse à cheveux, elle est là. Ah, peut-être que si on met l'avion, peut-être que oui. Ah, c'est peut-être l'avion, oui. Parce que bon, je vois mal la femme. Ah, c'est ça, l'avion, elle va prendre l'avion. Je reste sans mots. Elle a volé l'avion du petit gosse. Mais c'est horrible. C'est bizarre, elle touche pas aux lunettes. Ouais, donc ça doit être l'avion. Ça doit être l'avion. Est-ce qu'on peut le faire aller là-bas? Ah, il l'a vu! Oh! Ah, c'est horrible! Il va racheter son jouet que la vieille lui a piqué! Tel Aladdin. Madame, je voudrais acheter cet avion. C'est bizarre, il ressemble à mon avion. Ah, vous voulez l'avion? Mais c'est le mien! C'est le mien, non, non. Je l'ai trouvé. Voleur. Mais non, mais c'est mon avion. Oh. Elle mourira en enfer, mamie. Papier toilette, brosse à cheveux. Ah merde. Je reprenne le papier toilette. Oui, c'est vrai que la brosse à cheveux, j'avais oublié, oui. Ah merde! Ah c'est chaud, ouais. C'est marrant, ouais. On a fait nos courses. Ah, c'est bon. C'est bon, maintenant j'ai compris comment ça marche. Je peux pas rentrer. Non, franchement, c'est sympa. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Il n'y avait pas une autre liste qui est apparue?
Ah non, c'était un objectif en plus de la liste qu'on était en train de faire, d'accord. Faut arriver au prochain lieu qui va être... Pas ici. Pas ici non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'on peut lancer les objets. J'avoue que j'ai du mal. Peut pas les pousser. Oh, c'est énorme. Ça résonne dans le puits. Bon, j'y arrive pas. Je pense pas qu'on puisse lancer les objets, malheureusement. Ah, un raccourci. Ok, on arrive là. Ah, et je suppose que si on va à gauche, on va débloquer l'autre raccourci. Vu l'agencement des choses. Oui. Voilà. C'est Dark Souls. Bon là il y a un panier. Toujours pas de nouvelle liste. Bon là ça sera un nouveau raccourci apparemment. Bon du coup il a pas l'air très très long comme jeu. Hein. Bon là ça va faire 1 heure à peu près qu'on est dessus. Je pense qu'en... Si on gagne 70, 70 scores là. À chaque succès, ça veut dire qu'il y en a 10, 5. Il doit y avoir peut-être 14, 12, entre 12 et 14 niveaux, je pense. Cool. Ah, faire en sorte que quelqu'un casse le vase précieux. C'est pas très gentil ça. Aider la femme à habiller le buste. Okay. Faire en sorte que l'homme crache son thé, se mettre un ruban. Faire en sorte que l'homme se déchausse, laver le linge. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ça? C'est une batte de cricket. Mais c'est des chaussures, monsieur. Faire en sorte que l'homme se déchausse. Est-ce que ça marche avec nous? Oula. J'ai cru qu'il allait me tabasser. Ce jeu n'est pas violent, évidemment. Donc ça c'est la femme. Oh c'est le ruban. Non? Peut-être pas. Alors là on peut aller dans l'eau. Je suis pas sûr que ça fasse grand-chose. Ça fait quoi ça? Ça fait rien, ça fait rien. Okay. On va lui piquer son autre chausson du coup. Non. Le chausson! On peut pas lui piquer le chausson. Putain, mais il a même pas remarqué, quoi. Le ch deuxième chausson. Ils ne sont pas aux pommes. Crache son thé, fais en sorte que l'homme crache son thé. C'est le côté
Infiltration à la Zelda 64. Les buissons. Les fameux buissons de Zelda 64. Bon, par contre. Ah, peut-être qu'il va boire. Metal Gear Solidois, quoi. A pas marché par contre. Hein. Comment on peut faire pour qu'il crache son thé? Ah, j'ai pas l'impression qu'il recrache son thé. Hein. Ah, il faut casser donc le vase précieux. Ah, c'est pour nous ça. C'est pour moi ça. Ah, peut-être que si on l'apporte à la femme, elle va nous le mettre. Même faire de la musique. Oh, mon ruban. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Aider la femme à habiller le buste et faire en sorte... Ah oui, le vase. Le vase. Je pense pas que ça soit elle qui va... Mais attendez, on peut pas revenir. On peut pas revenir. Le soutif! D'accord, donc ça c'est le buste. Ok. Ah, ça doit être ça pour la tasse. Marché. Commence à en avoir marre là, pas très content. Et comment on fait pour remettre ça du coup? Viens ici. Oui, la cloche, oui, c'est ça, la cloche. Ah, merci. Ça doit être ça, je pense. On doit pouvoir le faire machin avec la cloche. Non! Il a sa tasse par terre. Comment il va faire pour boire? Il est con, quoi. Il veut son journal. Il est à ses pieds, le journal. Et putain, t'es... Monsieur n'est pas très intelligent. Sauf que nous, on est bloqué de ce côté maintenant. On est bloqué.
Ah, on peut passer par là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'on peut passer, mais on peut pas passer en fait. C'est juste peint. C'est étrange. Et l'homme, on peut l'habiller comment lui? Aider la femme à habiller le buste. Oh, une chaussette. Une autre chaussette? Est-ce que ça a bugué? Ça fait quoi ça? J'avoue que là, je suis perturbé. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. D'accord, elle va commencer à couper le buisson. Mais le problème en fait, c'est que le mec, il veut pas reprendre sa tasse. Ni même le newspaper, donc. Donc j'imagine qu'il va s'énerver. Est-ce qu'il va vouloir reprendre sa tasse? Non. Elle va chercher son bras. On peut prendre un sécateur. Un sécateur. Mais en dehors de ça. En dehors de ça, parce que là on peut pas y aller. S'il n'y a pas de machine à laver, hein. Laver le linge. À part s'il y a un truc spécial laver le linge, mais j'ai pas l'impression. Hein. Ça doit être un lave-linge, mais y a pas de truc lave-linge. Ah oui. Ah, peut-être qu'on peut passer en haut. Ah, voilà. D'accord, on peut revenir, voilà. Il m'a enlevé mon ruban. Bah, il était bugué apparemment, je pense. Il devait être bugué, ouais. Putain, il est où le vase? Merde, il était en train de boire. Où est le vase? Ah, il est là. Le vase est là. On va peut-être l'amener comme ça, du coup. Ah, il va le balancer de l'autre côté. Vu que ça appartient à la femme.
ça. Il est ignoble, cet homme. Une moitié de vase. Allez, vas-y, bois un petit coup. Il reste ça et faire en sorte. Aider la femme à habiller le buste aussi, ça je vois pas trop parce que y a pas vraiment de vêtements. Ah, peut-être la casquette de l'homme. Ah, la casquette de l'homme peut-être. Je sais pas si ça correspond bien à habiller, parce que bon, c'est juste une casquette. Oh! Est-ce qu'il va boire? Ok, c'était bien ça. Donc, on va prendre la casquette, on va voir. Tun, 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 tun. La casquette sur la statue. Je fais autre chose. La pipe. Ça serait un petit peu con quand même, hein, parce que pouvoir mettre une pipe sur une statue. Peut-être les lunettes. Les lunettes, les lunettes. Elle a repété son vase, elle. Ouais. Je vois mal la femme mettre un soutien-gorge à la statue, donc. Je pense que ça doit être les lunettes et la pipe. C'est un petit peu étrange quand même. Ah, la pipe, ça va être dur. Ça va être dur. Va lui piquer derrière, là, comme ça. Chac! Hop, c'est parti. Ah, c'est pas mal. Elle est où? Et genre. Genre, quoi. Ah, c'est abusé. Faire en sorte que quelqu'un taille le borosier. Le borosier. Ah, le borosier. Ah, attendez, le borosier. J'ai vu un rosier tout à l'heure. Il est là-bas, ouais. Il est là-bas. Donc, il faut emmener le sécateur. Un sécateur. De l'autre côté, je pense. Ouais. On va l'emmener. Bah là où il y a l'homme, hein, de toute façon. Oula. C'est pas facile. Ah, on l'a eu. Un sécateur.
qu'il y a à faire avec. Oh le con. Est-ce qu'elle va tailler le rosier? C'est marrant. Et si on prend la rose et qu'on lui amène, ça fait un truc. Ouh, il est pas content. Ça va pas la tête. Vous venez de couper mon rosier. Vous prenez pour qui? Pas de ma faute. Vous avez cassé mon vase. Alors je vous ai coupé votre tige. C'est une bien belle histoire. Bon, nous on va emmener. Qu'est-ce qu'il faut pour la lessive? Soutien-gorge, paire de chaussettes, une pantoufle, un morceau de savon. Laver le linge. Est-ce que c'est là? Ah! Ah, je sais. Je sais. Ça doit être là, c'est là, c'est le truc là où il y a l'eau. Ça doit être ça. De toute façon, je vois que ça. Oula. Ah, c'est ça, c'est ça. Ok, d'accord, donc faut amener les trucs ici. Hop. Soutien-gorge, soutien-gorge. Je pique le soutien-gorge et se barre. Le mec il voit un soutien-gorge. Oh putain, un soutien-gorge, vite! Faut que j'échappe! C'est le soutien-gorge de la jolie voisine. Putain, mais ces séquences à la Metal Gear Solid, quoi. Truc de fou. Mais où est passé mon soutif, dis donc? Ah. Et après, c'est le savon, je crois. Interdiction aux oies. Oh, une chaussette, mais qu'est-ce qui se passe? Il se fait chier pour pas grand chose quand même le mec, hein, parce que bon, je veux dire, c'est pas sa chaussette, c'est pas son soutien-gorge, enfin voilà, c'est... Il s'en fout en fait, quoi. Bon, c'est vrai que pour lui, ça fait un petit peu des détritus dans son jardin, mais...
C'est ça, le gameplay à la Metal Gear. On appelle les gardes. Énorme! Il a foutu un ruban sur sa rose. Le savon. On est bon. Ah, une paire de chaussettes. C'est pas une chaussette, c'est une paire de chaussettes. C'est vrai. C'est vrai. Une paire de chaussettes, c'est deux chaussettes. Je peux dire adieu à ta chaussette, Martine. Il va nous voir, lui. Tain, 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 tain. Mission impossible. Ouais. Il y a beaucoup de monde quand même qui a dû faire le jeu. Parce que même là, on a... Je sais pas combien il y a de personnes, mais on n'a pas des succès en diamant, qui indiquent que moins de 10% des gens ont le succès. Donc, le jeu a eu pas mal de succès, c'est le cas de le dire. Faut aller où? Par là, je sais pas du tout où il faut aller là, dis donc. Est-ce que c'est... Ah, c'est ouvert maintenant. C'est ouvert. Donc on va arriver encore dans un nouvel endroit. C'est l'endroit de tout à l'heure mais à l'envers. C'est énorme. Oh, c'est énorme ça. Le plan qui change comme ça la caméra, ça c'est pas mal. Ok, donc faut aller à gauche. Je crois que c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse. Allez à gauche. Parce que là, il n'y a rien du tout. C'est quoi ça? Une carte postale ou une lettre? C'est pas grave. Ah, on peut peut-être interchanger les colis. Interchangeons les colis pour voir. On interchange la poste. Loi poste. Loi poste. C'est pas mal ça, loi poste. Il y a caché. C'est pas facile. Bien placer le truc. On est monté dessus quand même. Voilà. On va le mettre ici. Et l'autre, la carte postale. On va le mettre là. Je sais pas si ça va faire quelque chose, mais. On verra bien. Ça, on peut le prendre. On peut le prendre. Je sais pas que ça serve à grand chose, mais. Une voiture. Ah bah c'est la poste, justement, tiens. La poste était là. Ah, entrer dans le pub, casser la cible. Putain, j'ai vu casser la Bible. Obtenir le petit bateau, faire tomber le vieil homme sur les fesses, obtenir une fleur en récompense.
Voler une chope vide et la jeter dans le canal, mettre la table. Ah non, franchement, c'est... Oh, c'est sympa. Vraiment, c'est très sympa ce petit jeu. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour ce jeu très sympathique qui est Untitled Goose Game, je crois. Je sais plus. J'ai oublié le nom. Je pense que je reprendrai le jeu de temps en temps pour histoire de le finir, quoi, vu qu'il est très sympathique. Bon, lui, par contre, c'est pas comme Resident Evil, il va pas partir du Game Pass à la fin du mois. Donc on a un petit peu plus de temps pour en profiter. Donc on le fera tranquillement. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés par le jeu, de toute façon. Que ça soit Children of Morta, Resident Evil aussi que je fais, et ce jeu-là, ils sont tous sur le Game Pass, hein, donc pour 10 euros. 10 euros par mois, je crois. Ouais. 150 jeux et quelques sur lesquels on peut jouer. C'est vraiment du tout bénef. Moi, je vous dis à la prochaine. À plus.